Pasteur Claire, vous allez nous commenter l'évangile du 28e dimanche ordinaire de l'année C. Toujours Saint-Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Il est question de 10 lépreux guéris et un seul qui revient pour rendre gloire à Dieu. Donc il est écrit que Jésus marche vers Jérusalem et qu'il traverse la région située entre la Samarie et la Galilée. Il entre dans un village où il y a 10 lépreux qui viennent à sa rencontre, mais qui ne vont pas jusqu'à lui, parce que comme lépreux, ils doivent garder leur distance. Mais enfin, n'empêche qu'ils viennent à la rencontre de Jésus et qu'ils sont 10. Alors, premièrement, il n'y a aucune raison de douter du fait qu'il y avait 10 lépreux. Et deuxièmement, 10, ça veut dire une totalité. Je vous rappelle au livre de la Genèse, au chapitre 18, au verset 32, quand Abraham dit à Dieu, « Et s'il y a 10 justes, est-ce que tu pardonneras à Sodome et Gomorrhe ?» Et le Seigneur dit, « Oui, 10 justes, c'est bon. » Donc, Genèse 18, 32. Ou encore, dans Saint Matthieu, au chapitre 25, la parabole bien connue des vierges sages et des vierges folles, début du chapitre 25 de Saint Matthieu, « Alors il en sera du royaume des cieux comme de 10 vierges » Alors, il y a 5 sages et 5 folles, c'est-à-dire 10 vierges qui s'en allèrent munies de leurs lampes. 10 lépreux, 10 vierges, 10 justes. Voilà le commentaire de Saint Ambroise de Milan. Que représentent les 10 lépreux, sinon l'ensemble des pécheurs? Lorsque vint le Christ, tous les hommes souffraient de la lèpre de l'âme, même s'ils n'étaient pas tous atteints de celle du corps. Or, la lèpre de l'âme est bien pire que celle du corps. Ces hommes se tenaient à distance car ils n'osaient pas, étant donné leur état, s'avancer plus près de lui. Il en va de même pour nous. Tant que nous demeurons dans nos péchés, nous nous tenons à l'écart. Donc, pour recouvrer la santé et guérir de la lèpre de nos péchés, supplions d'une voix forte et disons « Jésus, Maître, prends pitié de nous ». Cette supplication ne doit toutefois pas venir de notre bouche, mais de notre cœur. Voilà. Donc, Saint Ambroise de Milan dit des choses très belles sur la prière de supplication. Aucun état de péché ne doit nous empêcher de nous tourner vers Dieu. Alors, 10 lépreux, c'est le monde entier qui est atteint par la lèpre du péché. Alors, deuxièmement, la lèpre, hein, c'est ce processus de destruction de l'être, est dans la Bible est toujours identifié à l'impureté, au péché d'impureté, parce que avec la lèpre, on perd son intégrité. Donc, de la lèpre, on n'est pas guéri, on est purifié, disent toujours les textes, hein, « Sois pur de ton mal ». Pur, ben, c'est être justement rétabli dans son intégrité. Hein. La pureté, c'est l'intégrité. À tel point que, ça c'est absolument incroyable, mais dans le Lévitique, un homme qui est lépreux de la tête aux pieds, s'il n'y a rien de saint, ben, il est considéré comme pur. Alors bon, c'est un peu compliqué à comprendre, sauf pour souligner que voilà, la lèpre, c'est être atteint dans son intégrité. Je vous lis ça parce que c'est quand même incroyable. Lévitique 13, 13. Voilà, Lévitique 13, 13. Alors, si la maladie le recouvre tout entier, de la tête aux pieds, et que partout où regarde le prêtre, il y a la lèpre, celui-ci examinera le malade et constatant que la lèpre recouvre tout son corps, il déclarera pur, tenez-vous bien, le malade, puisque tout a viré au blanc, il est pur. Bon, alors, etc., je vous passe le détail. Enfin, c'est pour expliquer ce que ça veut dire que la pureté. Saint Paul parlera de la pureté de l'annonce de la parole de Dieu. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 17, où Saint Paul dit « Nous ne sommes pas en effet comme la plupart qui frelatent la parole de Dieu. Non, c'est en toute pureté, c'est en envoyé de Dieu que devant le Christ, nous parlons dans le Christ. Sans mélange. » Ça donnait « sincère » en latin. Le miel sans cire. Et c'est dit, cette sincère ou sans mélange, évidemment, de qui? De Dieu lui-même, de la sagesse divine. Vous avez un très beau passage dans le livre de la sagesse au chapitre 7, versets 24 et 25. Plus que tout mouvement, la sagesse est mobile, elle traverse et pénètre tout à cause de sa pureté.
Elle est en effet un effluve de la puissance de Dieu, une émanation toute pure de la gloire du Dieu Tout-Puissant. Aussi, rien de souillé ne s'introduit en elle. Toute pure, ici, c'est traduit en latin par sincère. Donc, sans aucun mélange. Tout donné à Dieu, bien entendu. Alors, le lépreux, ben, c'est celui qui n'est pas intègre. La première fois qu'il est question de purification dans la Bible, c'est au chapitre 35 du livre de la Genèse, au deuxième verset. C'est Jacob qui s'apprête à célébrer une liturgie et Dieu lui dit « Bon, tu montes à Bethel, etc. » Et Jacob prévient sa famille et tous ceux qui étaient avec lui. « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous. Voilà. »« Ôtez les dieux étrangers, purifiez-vous et puis changez de vêtements. » L'idolâtrie, évidemment, c'est le contraire de la pureté. Ça ne peut pas être tout entier pour le Seigneur. Qu'est-ce qui nous purifie? Qu'est-ce qui peut nous rendre purs? C'est la parole de Dieu. Enfin, je vous rappelle aussi ce que Jésus dit à ses disciples dans Saint Jean, chapitre 15, verset 3. « Déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai dite. » La parole nous purifie parce qu'elle enlève de nous ce qui ne fait pas partie de nous. Elle nous rend notre intégrité, puisqu'elle est comparée à une épée. Hébreux 4, 12. Vivant en effet la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Voilà, c'est tout ça la pureté, c'est être soi-même et uniquement soi-même. Alors le lépreux, alors ici, ils étaient vraiment lépreux, donc ils étaient impurs. Ils supplient, ils ont raison, ils prient le Seigneur, il n'y a que lui qui peut leur rendre la pureté. Et premièrement, que leur dit Jésus? Obéissez à la loi, c'est-à-dire allez vous montrer au prêtre. Obéissez à ce qui est dit au chapitre 14 du livre du Lévitique, au verset 2. Enfin, Lévitique 14, 2. Le Seigneur parle à Moïse, « Voici la loi à appliquer au lépreux le jour de sa purification, on le conduira au prêtre. » C'est le prêtre qui va vérifier qu'il est guéri. Alors ce qui est très beau, c'est qu'ils croient déjà qu'ils sont guéris puisqu'ils s'en vont vers les prêtres pour montrer leur guérison. Donc ils croient quand même dans la parole du Seigneur et c'est pour ça qu'ils sont guéris en route. L'obéissance les a guéris, enfin les a fait entrer dans le processus de guérison du Seigneur Jésus. Ils ont obéi à la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont fait comme Naaman le Syrien dans la première lecture. Il s'est un peu fait tirer l'oreille. Finalement, il a obéi dans l'humilité et il a été guéri. Donc jusque-là, tout va bien. Mais ça ne suffit pas. Pour que la guérison physique soit accompagnée d'une guérison spirituelle, il faut faire retour vers Jésus et reconnaître qui m'a guéri et rendre grâce. C'est l'attitude spirituelle de ce Samaritain qui pourtant, lui, n'est pas très pur dans sa religion, mais il n'empêche qu'il se rappelle de l'importance de la bénédiction. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» le grand refrain de saint Paul. Alors, à plus forte raison, cette guérison, il reconnaît qu'il l'a reçue, qu'elle lui a été donnée, et il se plonge dans l'action de grâce en retournant vers Jésus. Le modèle dans l'Ancien Testament, c'est David, avec le début du psaume 103. « Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Oublier les bienfaits de Dieu, c'est quand même très grave pour la vie spirituelle. Donc cet étranger, ce Samaritain, lui, dans l'humilité, revient pour reconnaître qui l'a guéri. Et rendre grâce à celui qui l'avait guéri. Et que lui dit Jésus? Alors c'est traduit par « relève-toi », je vous dis le grec, « anastase ». Ça y est, tu es ressuscité, ta vie spirituelle est ressuscitée. Remets-toi debout et va, ta foi t'a sauvé. La foi ici, c'est lié à l'action de grâce et à la bénédiction. C'est reconnaître la toute-puissance de la parole de Dieu et le dire, et revenir pour le dire. Donc, il est remis debout et c'est une véritable guérison spirituelle. Et je termine avec saint Bernard qui médite sur l'attitude de ce Samaritain. Heureux ce Samaritain, il savait qu'il ne possédait rien qu'il n'eût reçu. Aussi a-t-il conservé le dépôt qui lui était confié et dans l'action de grâce, il est revenu vers le Seigneur.
Heureux celui qui, pour chaque don de la grâce, revient vers celui en qui se trouve la plénitude de toute grâce. En nous montrant sans ingratitude pour les dons reçus, nous préparons en nous un espace pour la grâce afin de pouvoir obtenir des dons plus grands encore. C'est l'ingratitude et elle seule qui nous empêche de progresser dans la vie spirituelle. Sœur Claire, merci.